Coffee. Nous allons faire juste un message. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Je vous remercie. Merci. Alingala. Alingala. Batata, Bamama, Bandeko, Bana Congo. Lelo, Ezali, Mokolo, Oyo. Président Moïse Katumbi Tchapwe a bongaki ati a candidature na ye pona kokamba ekolo Congo na milulu oye kolekawa na maponanga. Bandeko toza kosala na bango bamemaki mikanda nyonso yo mobeko esengi na CENI pona bati a candidature na ye. CENI tango etali mikanda yango emoni ete mikanda oyo ba memi na lopoto babengi ba photocopie certifié conforme et bongi pe to mema ba originaux na yango lokola pe toza na ba originaux na yango to moni ezali kambote to tindi na lombango bandeko na biso na kati ya Lingomba ba mema ba originaux pona tolakisa na ba iseni ete mikanda na biso oui, il y a qui na photocopie et zappé na ba originaux. Yango esengi ete otika mikando e bonga ki esala malelo, to pusi yango na mokolo ya lobby ponyo so esala ma elongo enge bene na mobeko kasi eloko ya koyeba ete mikanda na biso nyonso eza ndenge mibeko esengi. Bobandi ete wana ezali debi ya communication. D'une manière précise, quel est le document qui a posé ce problème? Tous les documents sont complets. Oh, bah, le journaliste! C'est filmé, vous, c'est filmé, là.
L'homme se posera contre la carte. L'homme sont racisme. Merci beaucoup. À demain. Une question par média. Quatre questions. Il s'arrête en quatre questions. Et nous n'allons pas surenchérir, s'il vous plaît. Passons directement aux questions. Docteur, aujourd'hui, vous êtes engagé officiellement dans cette course à la magistrature suprême. Pourquoi maintenant, je pense que c'est parce que notre pays va très mal. On va très mal sur plusieurs points. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est en rapport avec ce que notre pays est occupé aujourd'hui par des démocraties, des pays étrangers. Nous avons 100 groupes armés. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont privées et nous vivons dans une situation Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est la République démocratique. Malheureusement, les Congolais vivent dans des conditions inadmissibles. Je crois que c'est le plus tolérable que en fait, les Congos puissent être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par des villes les plus peuples avec le Cameroun. Nous avons perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coton congolais. Et demain, ça sera le combat du congolais et la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus se retrouver à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources, en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement le Congolais en orbite pour qu'il soit le gestionnaire de ces pays. Le président de la CENI vous a fait l'honneur de vous recevoir sur son bureau. De quoi avez-vous parlé? Nous avons fait le tour d'horizon par rapport à la nécessité générale. Je crois que c'était tout à fait normal qu'il puisse nous donner son point de vue par rapport à l'organisation des élections. Vous avez été ici franchement par rapport au processus, la qualité du processus électoral. Est-ce que le président de la CENI vous a rappelé quant à l'intégrité, quant à la crédibilité? Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue, mais je crois qu'il appartient aussi à tous les citoyens de pouvoir juger de cette qualité. Je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous réclamons, c'est de voir comment cette processus va aboutir. Si ce sont les meilleurs résultats, on va le donner. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Mais je crois que nous aussi, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est fait. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement à l'unité, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Et donc, si le peuple va défendre son vote, nous disons tout simplement, le peuple congolais, si vous n'êtes pas d'accord avec la qualité de ce cycle électoral, indignez-vous, résistez, et nous disons même, si votre vote a été, vous avez le droit de
fait qu'il ne veut plus pratiquer, on ne peut plus continuer à accepter ce qui s'est passé, au cycle passé, qui s'est répété pendant ces circonstances, l'âge de son système, et tout le monde le sait que les élections ont fait. Ingala. Ingala. S'il vous plaît. Éducation Ingala, s'il vous plaît. Le fait de déposer ma candidature, de prendre mon président, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. C'est une victoire pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, je suis dans la position où je me dis, écoutez, c'est là au peuple de décider. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple créera le choix entre l'axe que nous avons et tout ce que nous souhaitons. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, le peuple vit dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. On peut être dans un pays aussi riche que le Congo, qui n'est pas en mesure de manger, qui n'a pas de route, qui n'a pas la possibilité de donner à une éducation correcte. Je crois que nous vivons une forme d'esclavage. Et le peuple congolais aura le choix de faire une rupture avec ce système qui a trop duré et s'engager sur un nouveau système qui permet au peuple de s'exprimer, au peuple de pouvoir jouir de ses ressources. Je crois que c'est un choix que le peuple doit faire. Merci, docteur Nalingala. 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 Ça c'est pour qui les micros? C'est clair, aujourd'hui, à Dos Nombasi, député national, nous allons soutenir le candidat président de la République, le docteur Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix, pour soutenir Akukumba destiné à la République démocratique du Congo. Narati Bolanda qui est lobby, nous allons pilier Naïma Malobaki, Malobaki m'a ramené à sécurité Naïa paix. Je pense que chaque Congolais a besoin de la Kimia et contre la Narada Congo. Docteur Mukwege a dénoncé l'agression rwandaise, ougandaise, au Islamie, plus de 25 ans, plus de 10 millions de Congolais, Bomami, Nabozoba, parce que malheureusement nous avons une armée qui a été incapable de défendre le peuple congolais. Et je pense qu'aujourd'hui, le docteur Mukwege va restructurer le Rolagnoso pour que demain, les Congolais aient la Kimia. Mais aussi, il a dénoncé tout minéré à Congo, cobalt, cuivre, lithium, ils ont profité de la Batalibana, ils ont profité de la Bissoté. Donc il faut avoir aujourd'hui un président de la République qui sera capable de remettre le peuple congolais dans ses droits. Comme on a dit, le lobby a dénoncé qui déjà m'a pronommé on a bakambi ya Seni Kastomoni Bongo, Bautokutanana, président de la Seni, mais selon le ligne, ce que vous voyez, le lobby boy, Nekolangaye, nous avons un message à faire passer au peuple congolais. Yambala Oyo, Boebara, Seni Rosalaraye, mon côté, peuple congolais par Rosana Sima. C'est-à-dire quoi? Nous demandons au peuple congolais, tant qu'on dépose bulletin de vote, na yo na katiaba, urne. Sécurisé en OP. Ce qu'il faut là, la Libana, là, la Libana. Yambalo, le peuple Bobimba, tu peux veiller. S'il faudra veiller pendant un mois, Libana, tu peux veiller Libana. Et ceux qui vont y aller plus sur l'élection, cette fois-ci, il y aura une révolution démocratique dans ce pays. Le peuple congolais ne se laissera plus faire. Bato a mis ça dans Oyiba, Bafoyabatu. Oyiba, un peuple, en 2006, en 2011 et en 2018, cette fois-ci, en 2023. Nous demandons au peuple congolais à Téléma, à Ebako, sécuriser voie, au cas où va s'entêter, révolution démocratique et Gozala, Tobanabalaba. Honorable Bapé, Bélé Balobi, qui est le docteur Mukwege, a déposé candidature, mais Azalina
parti na yeto regroupement na yeye banite na etani mobimba ya république ya bibale babi ke candidat na ye ezali candidature ya bayi o alibana do occidentaux yo kolbani pona de golangai to luka ba échappatoire s'il vous plaît to luka ba polémique ti le lo congo ils en a besoin mutu moko a reçu sa congo na nzela bato yo bazo gérer mboka oyo qu'est-ce qu'ils en ont fait. Quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une personne qui est capable de remettre les choses dans le chemin. Pour la question à Sérène, nous sommes là pour battre campagne pour le docteur Mukwege et aussi pour notre regroupement à CRN. Donc dans les prochaines semaines, il y aura un calendrier pour bien sûr parler de notre regroupement à CRN. Merci beaucoup. Président, il y a un témoignage. Prophétie, mon ami. 30 secondes. Oh, bonjour. Oui, mon compagnon, le docteur Mukwege a déposé un dépôt de candidature. Bonjour, comment on a déposé Mukwege à combattre vraiment Félix Antoine Tshisekedi par rapport à Yabila, par rapport à Félix Antoine Tshisekedi? En tout cas, je pense que les allées très claires. Le docteur Mukwege a fait l'accès preuve. Il y a compétence. Vous voyez bien que l'expérience sera transversale. C'est-à-dire que quelqu'un comme un médecin de calibre c'est quelqu'un qui a déjà démontré qu'il peut réparer quelque chose. C'est un chercheur. C'est un chercheur. Mais un chercheur a un problème à pays, il peut proposer une solution. Donc nous avons une forte assurance. La campagne est bannée dans l'OT. Les gens tremblent. Il vient à peine de déposer sa candidature. Et vous allez voir, nous allons descendre sur le terrain. Et Tokozalawana, nous allons mettre toute notre expertise en ligne. Tokoté le Mawana Petro démontre au peuple congolais que pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons un poids lourd qui peut nous faire sortir Nakatia Gouffre et Nakatinango. Il n'y en a pas deux au Congo. C'est le premier prix Nobel que nous avons. Et c'est un homme compétent, respecté à travers le monde. Les gens qui apprécient mon ordre, même Bato Bilobo Bengi, va décider, va trembler. Et nous avons besoin de quelqu'un de pareil. Comme ce Bazo, le bazar prix Nobel, il ne fallait pas y aller. Mais Nelson Mandela a été prix Nobel, après tout. Nelson Mandela a été prix Nobel, mais comment est-il président? Donc, Dozali na Nelson Mandela Moussous Aye, peuple congolais Azala sur espoir Ezali. Donc c'est une nouvelle page de l'histoire de notre pays qui vient de commencer. Merci beaucoup. Ok. Pardon. Prophétie Moko, Nzamba Yala Kisingaï. Lelo, Nzamba Lobi. Ma vrai diplôme est côté et pas Kadima. Mais dans 5 jours, Kadima a un faux diplôme. Hein? Il y a des tribunaux que prophétie n'a joué pas Nzambe. Le lot, vrai diplôme est côté. Ma vrai diplôme. Dans 5 jours, Nzambe Lobby, Kadima a un faux diplôme. Merci. C'est bon, prophète. Prophète, il y a Kitambo, Clovis Munga. Le prophète a Kitambo.